L'année 2010, tout ce qu'on a fait, non, là, on a même dit. On a fait une mouette de vie ou moi, c'est bien. On a fait une vie pour le monde qui a l'air. Mais à ce moment, on a fait une vie pour le monde. Donc, on a fait une mouette de vie ou moi, c'est bien. On a fait une femme. Il a dit. Parce qu'on entend une fois une femme qui n'a pas dit ma grossesse non désirée. Non, monsieur. C'était désiré. C'était désiré. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, maman. Maintenant, on s'est dit, dis-moi. On va faire la même fois. Ah. On va y aller. On va y aller. À ce moment. Une bonne voyage de pour ma belle à la mascarée. Guidi, il est dit. Kaba. On viendra après. Et après, je suis. Allez, je vais dire à la planète. Donc, on est rêvé. On est en train de faire un sort. Vous ne voulez pas que moi, je voyage quand même, mais après, là-bas, il y a un donc, on est en train de faire un sort. Donc, on tire rien de rien. On a couru, on a couru, on a couru. Et nous, on est. Je ne savais pas comment dire à mes parents qui sont au village et? Que je suis enceinte. Et j'étais avec ma soeur à la paix. Comment je pouvais l'exprimer cela? Non, dis pas la paix. Je ne savais pas. Tu n'as pas la paix. Nanambaragaou. Nanambaragaou. Ngaouté. Matengaouné. Tourame balé. Nanambaragaouné. Nanambaragaouné. Massile. Merci, vous avez compris, chers téléspectateurs. C'était quand même cette musique de Massiré qui nous raconte quand même. Ce qu'elle a vécu lorsqu'elle quittait le village pour la capitale Conakry. On sait qu'une fille qui vient du village et une fois à Conakry, il y a quand même toute une vie, il y a des conditions climatiques qui sont réunies. Et si réellement elle n'est pas attentive, je pense bien que ça devient très très compliqué. Mais Massiré, et comment tu as fait par la suite pour informer tes parents que tu étais enceinte? Voilà, on peut parler de la suite de cela. Comment tu es curieux? On va se continuer, il faut nous dire. Bien sûr, monsieur, vous pouvez le connaître. Oui. Monsieur, mon enfant est là actuellement. Oui. Oui, bon. Et là, c'est 9 ans. 9 ans. Donc, avec ma soeur Ayatea, oui. Elle est compréhensive. Vous voyez, elle a vraiment confiance en moi. Oui. Donc, elle a su que ça a été une erreur de ma part. Oui. Ça n'a pas été difficile parce qu'avec la grossesse, on peut cacher jusqu'à quelques niveaux. Mm-hmm. Mais arrivé à quelques niveaux, on peut cacher. Voilà, c'est 4 mois. Donc. maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu communiques avec ce monsieur en question pour pouvoir, ou bien tu as mis. Kaba, avant qu'elle me réponde oui. La question, oui. Je connais qu'il y a l'enfant. Oui. Il y a la maman de l'enfant. Oui.
Mais où est le papa? Voilà. Moi, je veux connaître le père de cet enfant. Ok, monsieur, comme je vous ai dit, il est voyagé, il n'est pas là actuellement. Oui. Il n'y a pas de communication aussi entre lui. Il a pas oublié son nom. Ah, il n'y a pas de souci. Mais ton enfant porte quel nom? Mon enfant, c'est Mohamed Koumbassa. Il n'y a pas de souci. L'enfant porte le nom de Koumbassa. Mohamed, je pense bien que ça nous reste maintenant 8 minutes avant de clôturer cette émission pour des artistes qui reçoivent des artistes comédiens, des cinéastes, afin quand même que ces personnes-là puissent nous parler de leur vie, de leur carrière, des difficultés qu'elles rencontrent dans le domaine cinématique. On va alors donner la parole au jour d'aujourd'hui. Vous avez des difficultés, l'État nous regarde, les personnes de bonne volonté aussi nous regardent, des producteurs aussi nous regardent sur cette chaîne G36 TV. Au jour d'aujourd'hui, quel est alors le message que tu as à l'endroit de toutes ces personnes? Bon, le message que je peux donner aux téléspectateurs, c'est d'aider les artistes guinéens. Par exemple, nous avons les débutants qui ont des niveaux, qui ont des talents. C'est que un talent caché, quoi. On ne peut pas découvrir ce talent sans aider, sans venir à l'aide, quoi. Comme chez moi, moi je remercie Batézi. C'est grâce à lui que j'ai su que j'ai quelque chose en moi, que j'ai un talent en moi. Un talent caché. Oui, que j'ai un talent caché en moi. Donc, grâce à lui, aujourd'hui, je suis là, la télé. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire pour cet illustrateur? Parce qu'on sait que quand on dit artiste, il y a forcément quand même quelqu'un qui vous regarde. Hein? Oui. S'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas d'artistes quand même. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire pour les artistes guinéens, pour les spectateurs guinéens? Les téléspectateurs, je peux les encourager de regarder toujours ce TV qui aide les artistes à avoir un talent et aussi à découvrir les talents artistiques. Donc, je les remercie et je donne du go à eux. Moi, j'ai deux questions à poser. Tu connais le nom de la télé? G36. Mais pourquoi vous le dites? G36. Ok, merci beaucoup. Et moi, jusqu'à présent, j'insiste là-dessus. On n'a pas le temps, mais peut-être elle peut nous faire un tout petit briefing là-dessus. On dit le cinéma, quand vous dites comme ça, le cinéma c'est ma vie, le cinéma je l'aime beaucoup. Et tout simplement, les créateurs aussi nous disent que l'art est un combat des personnes inspirées. Comment vous obtenez votre inspiration pour donner des produits comme ce que tu nous as donné tout de suite là? Bon, pour avoir cette inspiration. Quel est le secret? Le secret, c'est de se concentrer et avoir en tête que j'ai aimé quelque chose dans laquelle dont je vais avancer. Oui. Surtout le cinéma, c'est avoir la conscience tranquille. Oui. Parce que même moi, en entrant dans le cinéma, j'ai rêvé que je sois une scénariste. Donc avec cela, il faut avoir beaucoup de conscience tranquille, des écrits. Merci beaucoup, ma fille. Et ma dernière question pour toi, aujourd'hui, tu veux être une grande star, une vedette. Tu veux être à la une. Maintenant, quand vous obtenez ça, Dieu vous donne ça. Et vous avez un mari qui vous dit de ne plus faire le cinéma. Comment vous allez vous comporter envers cet homme? Mais avec ces gens, je vais essayer de le connaître. Et s'il n'accepte pas? Non, réellement, si même il va accepter. Oui. Je sais, j'ai beaucoup vécu sur ces arts de trucs. Tu peux faire un film avec une fille et que le film cartonne tellement et son gars est là. Il va dire maintenant moi je ne veux plus que tu fasses ça parce que. Mais est-ce que c'est pas de la jalousie? C'est la jalousie. Et ça trouvera que la fille aussi l'aime beaucoup. Oui. Maintenant, il va dire moi je ne veux pas que tu fasses plus. Or, la Guinée a besoin de lui, de ses œuvres, pour mieux être cultivé dedans. Oui. Est-ce que tu vas accepter de te retirer dans le cinéma et prendre comme époux? Bon, monsieur,
dans toutes mes prières que je fais, je demande au Tout-Puissant de me faire un nom qui m'aimera et qui aimera aussi ce que je fais. C'est que m'aimera en tant que je suis et comme je suis. Et si le contraire se produit? Si le contraire se produit, là, ça va être compliqué. Il n'y a pas de souci. Tout est bien qui finit bien. Dit oui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Couloir des artistes. Oui. Couloir des artistes qui a reçu cet après-midi Massiré Camara, cinéaste. Massiré, merci d'être passé sur ce plateau. Ok, merci.